Salut à tous les amis, c'est StayGeek, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette petite vidéo en FaceTime. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va simplement aborder un sujet qui va être global, qui va être vulgarisé, comme je fais d'habitude, sans rentrer vraiment trop dans les détails. Si vous voulez des sujets où on rentre vraiment dans le détail, mettez-le en commentaire, des sujets un peu plus aboutis. Là, on va vraiment faire ça de manière tranquille, pépère, sans prise de tête. Donc déjà, message à tous les petits rageux, hein, parce que je lis tous les commentaires. Ça me fait bien rire vos petits commentaires, mais je vous dis quelque chose, j'en ai vraiment rien à taper, rien à cirer les gars. Je fais ma vidéo, je fais ma chaîne YouTube parce que ça me plaît de partager l'expérience. Alors qu'il y ait des vues, qu'il n'y ait pas de vues, qu'il y ait des j'aime ou pas de j'aime, ça m'importe peu les amis, donc n'empêche, merci à tous ceux qui sont là, merci à tous ceux qui soutiennent depuis le début. Alors forcément, il y a des vidéos où il y a moins de pertinence que d'autres. On fait des erreurs dans les vidéos, hein. Comme tout le monde, on est des êtres humains, on n'est pas des robots les amis. Donc simplement, bah, si vous mettez des commentaires, c'est gentil à vous. Ceux qui mettent des commentaires avec des commentaires non constructifs, les gars, on s'en tape, mais l'anus par terre. Excusez-moi d'être un peu vulgaire, mais vraiment, mettez des choses constructives dans les commentaires. Mettez un petit bonjour, même si vous mettez un commentaire négatif, mais qu'il soit constructif. Hein, les gens qui mettent c'est nul, je m'en fous. Mais les gars, on s'en bat les couilles de votre vie, franchement. Moi, je fais ce qui me plaît. Hein, je fais ma vie tous les jours, voilà. J'ai mes riz qui tournent. Je suis payé à ça, payé grassement en plus, donc vraiment rien à branler. Voilà, pour être sympathique et pour être voilà, pour pas être trop vulgaire. Donc aujourd'hui, les amis, on va parler du justement du futur minage. Qu'est-ce que ça va devenir le minage en 2022? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à miner nos petites crypto-monnaies tranquillement comme on le fait maintenant et mettre un peu de beurre dans les épinards pour certains? La question, elle va être normalement, oh oui, on va pouvoir miner de la crypto-monnaie jusqu'en minimum juin 2022. Donc pour le moment, on va être tranquille. Alors après, il y a eu plusieurs gros créateurs d'ASIC qui ont prédit justement et qui, eux, ben, je pense, ont un peu plus de relations que nous. Et ils ont prévu la fin du minage pour octobre 2022. Alors pourquoi octobre? Je n'en sais absolument rien. Mais voilà, j'ai essayé d'envoyer des mails un peu à Asus et d'autres grandes marques pour savoir si on pouvait avoir plus de détails sur bah, tout ce qu'allait être carte non LHR, etc. On n'a pas de retour plus précis que ça. Donc pour le moment, voilà, d'après ce qu'on sait, c'est que ça va être entre juin, octobre 2022, le passage de l'Ethereum 2.0 et la fin du minage. Alors je dis la fin entre guillemets tout simplement parce qu'on va avoir, ce que je pense, hein, c'est qu'on va avoir un minage qui va être hybride. On va avoir du stacking, enfin de la validation de transactions hybrides. On va avoir du stacking d'Ethereum. Il va falloir ben, stacker nos Ethereum pour pouvoir recevoir une rentabilité. Et il va y avoir les grosses fermes de minage qui, eux, vont pouvoir bloquer leur puissance de calcul pour pouvoir faire du minage, on va dire, hybride. Donc d'un côté, le stacking, de l'autre, le minage. Et à mon avis, les deux vont se lier. Et au fur et à mesure des semaines et des mois, on va avoir petit à petit, ça va être dégressif, la perte de ces fermes de minage qui vont migrer sur d'autres crypto-monnaies. Alors, elles vont migrer sur d'autres crypto-monnaies, et à mon sens, on peut très bien voir, d'après la pool de Two Miners, quelles crypto-monnaies ont le plus d'intérêt et ceux qui en ont le moins. Donc là, vous voyez que l'Ethereum, ben, comme c'est la plus rentable, forcément, on a une grosse partie des mineurs qui sont dessus. Vous voyez, sur Two Miners, je dis bien sur Two Miners, on a 74 000 421 mineurs, donc ça représente 35,6 TH. Bien sûr, encore une fois, que sur Two Miners. Et ensuite, on voit petit à petit bah, les puissances qui se baissent. Vous voyez que sur du Ravencoin, on a 2,38 TH, 21 000 mineurs. Et sur l'Ethereum classique, on a 7 000 mineurs et 2,18 TH. Donc, on a eu pas mal de mineurs hein, sur l'Ergo, passé un moment où l'Ergo, il avait fait un pic à 18 ou 19 dollars. Même, je crois qu'il avait passé la barre des 20 dollars. C'était inespéré. Parce que justement, c'était cet été, après la mise à jour de l'EIP 1559, plein de gens ont dit, ouais, c'est la fin, ça y est, il faut migrer sur d'autres cryptos. Et du coup, il y a eu un effet de panique. Et en fait, tous les gens, bah, ils ont migré, enfin tous les gens, beaucoup, on va dire une grosse partie, ont migré sur l'Ergo. Et c'est pour ça qu'en quelques semaines, on a eu une explosion bah, de la difficulté de l'Ergo. Et son prix, forcément, a suivi. Donc, après, les gens sont repartis sur l'Ethereum parce qu'ils ont été rassurés, ils ont été remis à leur place. Et on dit voilà, la fin du minage de l'Ethereum, ce n'est pas pour tout de suite. Et bien, on retourne voir le patron du minage qui reste l'Ethereum. Et donc, ils sont partis dessus. Du coup, la puissance a réexplosé. On a une difficulté qui est partie ben, à la hausse. Hein, vous voyez que je vous montrerai le graphique après. On est passé de 7 et quelques à 8, 9, 10. Et maintenant, on est presque à 12 pétaflops de puissance. Donc, c'est énorme. Tout simplement, ce qui va se passer, hein, ce que je pense, moi, mon avis personnel, ça reste que mon avis, je n'engage personne ni quoi que ce soit, c'est vraiment des spéculations.
Tout simplement, il ne faut pas être devin pour le savoir, mais tous ceux qui sont dans la crypto depuis pas mal de temps et dans le minage surtout, vont savoir et le savent très bien qu'une fois l'Ethereum sera fini, on va pouvoir miner encore pas mal de crypto-monnaies. Parce que forcément, il y a toujours des jeunes crypto-monnaies qui sortent, des crypto-monnaies aux oignons, des crypto-monnaies de merde, mais il y en a toujours à droite, à gauche qui sortent et ça, ben, ça va pas s'arrêter tout de suite. Chaque année, on a des nouvelles cryptos qui sortent, des nouvelles cryptos qui sont minables et des nouvelles cryptos qui sont exploitables et qui sont avec assez bon rendement. Donc là, tout simplement, hein, comme je disais, c'est mon avis. Moi, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir la fin de l'Ethereum, comme je disais, pas tout de suite. Octobre 2022, on va avoir déjà une cassure sur le réseau. Donc, on va avoir une bombe de difficulté qui va apparaître dans le cours de l'année où ça va supprimer la plupart des petits mineurs, même peut-être des mineurs à mon échelle, hein, qui ont 3, 4 gigahash ou peut-être plus. Enfin, on n'en sait rien, c'est que des spéculations. Mais en tout cas, cette bombe de difficulté, elle va bel et bien sortir. Désolé, j'ai eu un petit stress, j'ai cru que l'enregistrement n'était pas parti. Mais du coup, on va avoir bel et bien une bombe de difficulté qui va supprimer bah, une grande partie des petits mineurs de crypto-monnaie. Donc, ensuite, une fois que cette bombe va éclater, bah, ça va liquider le réseau. Du coup, la difficulté, on l'espère, va redescendre un peu pour ceux qui restent. Et ensuite, eh bah, ça va continuer jusqu'à la vraie passation du stacking. Ensuite, après ce stacking, qu'est-ce qui va se passer? Bah, la plupart des mineurs ou des petits mineurs qui ont déjà été éliminés avec la bombe de difficulté vont se rendre sur d'autres réseaux type Ravencoin, Ethereum classique, hein, ils sont juste là. Vous voyez que pour le moment, la difficulté, elle est tout à fait exploitable. Où vous avez de l'ergo, vous avez du flux, vous avez plein d'autres crypto-monnaies qui vont être minables. Et ça, c'est ce qui va nous importer par la suite. C'est que moi, je vais faire ça, je vais migrer. J'ai déjà des rigs qui minent déjà sur du Ravencoin et sur de l'Ethereum classique pour justement bah, diversifier un maximum. Et ça, je vous conseille de faire si vous êtes des petits mineurs. Bien sûr, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Même si vous n'êtes pas obligé de le suivre, mais c'est aller déjà avec votre petite puissance de calcul migrer sur d'autres crypto-monnaies qui vont pouvoir être plus rentables, pas tout de suite pour vous, mais qui vont être rentables par la suite. Parce que là, vous avez un Ethereum classique qui tourne aux alentours des 34 à 50 euros. Vous allez pouvoir en miner un peu plus que de l'Ethereum avec moins de cartes graphiques. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et même si vous n'avez pas miné autant d'euros, si vous holdez vos crypto-monnaies, quand on va avoir une passation, on va dire, des réseaux de l'Ethereum sur bah, la migration, plutôt sur du Ravencoin, l'Ethereum classique ou de l'Ergo ou Patati, enfin sur d'autres crypto-monnaies, vous m'avez compris le principe, et ben on va avoir une crypto-monnaie qui va monter en prix. Et ça, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, c'est d'avoir une stratégie à long terme sur le minage et pas de miner au jour le jour, faire ouais, je gagne 10 euros, c'est bien, je vends, etc. Non, ça va être d'avoir une stratégie à long terme de miner une crypto-monnaie, bien sûr, renseignez-vous sur les projets derrière, mais moi je vous conseille maintenant. Si vous avez 150, 200 mégas par exemple de puissance et que vous galérez à miner de l'Ethereum et que ça vous saoule, parce que vous savez qu'un Ethereum ça coûte 3 800 ou 4 000 euros, ça va être très dur de le miner, d'en avoir un entier. Alors que là, sur du Ravencoin ou de l'Ethereum classique, vous allez pouvoir en miner beaucoup plus, accumuler beaucoup plus de coins avant qu'il y ait la passation de l'Ethereum 2.0. Alors certains vont dire oui, mais Stagy, tu conseilles de partir sur une autre crypto-monnaie pour laisser la place à toi et aux autres pour avoir moins de difficultés. Alors, ce n'est pas du tout le cas parce que moi-même, comme je l'ai dit, je mine sur du Ravencoin, je mine sur de l'Ergo déjà avec d'autres rigs. C'est uniquement pour justement, en fait, moi je visualise ça dans le futur parce que je mine pas tous les jours pour revendre ma crypto-monnaie, je mine pour holder parce que je sais très bien, j'ai une forte croyance aux crypto-monnaies, surtout en l'Ethereum classique, enfin la blockchain d'Ethereum, de Solana et d'autres blockchains parce que c'est des blockchains avec des projets qui sont très très solides derrière et du coup qui ont un bel avenir par la suite. Donc là, simplement, le but, ça va être quoi? Ça va être de dire, putain, c'est vrai qu'on peut miner d'autres crypto-monnaies, en avoir plus pour moins d'argent, mais on en aura toujours plus. Et du coup, vous allez me dire que je privilégie un peu la quantité à la qualité, mais c'est vrai et c'est faux, puisque dans le futur, toutes ces crypto-monnaies-là qui ne valent pas grand-chose vont potentiellement prendre de la valeur. Donc c'est un pari risqué, certes, mais le jeu peut en valoir la chandelle. Donc peut-être pas sur du Ravencoin tout de suite, mais moi, je vous conseille déjà de partir sur l'Ethereum classique qui reste sur la blockchain d'Ethereum. Donc, enfin voilà, c'était ma petite parenthèse. Si vous suivez mon conseil ou suivez pas, hein, c'est vraiment à titre d'indication. Et là, je vais vous en venir justement au graphique de difficulté. Donc, vous voyez que là, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on est à 11,74 pétaflops, donc ce qui est quand même énorme. Sachant que moi, quand j'ai commencé, je vous l'avais montré dans une vidéo, j'ai commencé au mois de. Le 4 février, j'ai commencé pour être exact. On va peut-être pas trouver le 4 février exactement, peut-être que si. Voilà, le 4 février, on était à 4,89 pétaflop de puissance. Et déjà à l'époque, il me fallait 5 jours avec 600 ou 700 mégas pour faire 0,2 ETH.
Et après, à partir de ce moment-là, vous voyez que c'est monté très très vite, hein. On a eu un petit pic, une bombe de difficulté, on va dire, entre guillemets, où bah, c'est vraiment monté très très haut, hein. Juste en de février jusqu'à mai, donc février, mars, avril, mai, en 3 mois, on a eu le double presque de difficultés. Et donc déjà là, je trouvais ça énorme, et je crois qu'en mai, c'est là où j'ai commencé les vidéos. Donc tout ça pour vous dire que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, hein, moi j'ai commencé à 4,89 de pétaflop, et là on est quasiment à 12, donc on a fait déjà x3 en difficulté. Par contre, bah, on gagne moins, et c'est plus dur, donc forcément on va mettre plus de temps à atteindre les objectifs. Donc tout simplement, ce que je vous conseille, c'est pour ça que je vous conseille, et il n'y a pas qu'une seule bombe de difficulté, il y en a une autre qui va arriver, enfin, même si on ne peut pas appeler ça une bombe de difficulté, même si ça peut s'apparenter à une bombe de difficulté, ce n'en est pas une, puisqu'on va avoir des vraies bombes de difficulté qui vont arriver sur le réseau d'Ethereum d'ici peu, et en fait ça va supprimer les mineurs d'Ethereum. Donc en tout cas, ben, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous, vous faites, si vous allez migrer sur d'autres crypto-monnaies, si vous restez sur de l'Ethereum, si vous êtes fort, si vous y croyez dur comme ferme à l'Ethereum. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était StyleGeek. Ciao!